On se retrouve sur ma Big Sister, qui est un jeu 2D scénaristique au graphisme de style 16 binaire dans le genre RPG de la vieille école old school, aux allures de Game Boy, développé par Stranga et porté par Rattalita Game, au prix abordable de 6 euros, sorti sur le PSN le 8 mai 2019. Ce jeu contient un total de 29 trophées, 5 en or, 17 en argent, 6 en bronze et 1 platine. La durée approximative pour le platiner va de 1h30 à 2h avec un guide. Sans guide, cela peut vous prendre 2 à 3 ou 4 heures. Aucun trophée manquable car après avoir fini le jeu, vous aurez la possibilité de recommencer les chapitres via la sélection du menu. Vous pouvez donc jouer à votre aise tranquillement. Concernant le synopsis, ma Big Sister nous invite à suivre l'histoire de Luxia, une jeune fille de 12 ans. À travers les 12 chapitres, le jeu disposera de fins multiples au nombre de 6 fins disponibles. Concernant le gameplay, je vous informe que je vais passer tous les dialogues avec la touche croix, ainsi que certaines scènes avec la touche option. Les textes sont également intégralement traduits en français. Vous ne trouverez aucun combat dans ce jeu. On devra juste avancer pour trouver des objets et interagir avec des PNJ, personnages non jouables, ou le décor avec un point d'exclamation qui apparaîtra au-dessus de la tête de notre héroïne. L'histoire est digne d'un bon jeu d'horreur, plutôt excellent pour ma part. C'est donc avec joie que je vous présente ce guide, ce jeu qui j'en garde un très bon souvenir, que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. On va commencer le chapitre 1, nouvelle partie. On y va, on se lance. Donc petit didacticiel, petit tutoriel des touches. N'oubliez pas que vous pourrez courir avec la touche rond. Et vous interagissez avec le décor, tout ce qui vous entoure avec la touche croix, l'inventaire avec la touche triangle. Donc là, on se trouve au marché, chapitre 1. Je vous informe que je passe tous les dialogues, je fais un speedrun, donc je ne lirai pas les textes. Je vous laisse le champ libre de vous le lire par vous-même. Donc j'appuie sur rond pour courir. On va aller parler à la dame aux nouilles ici pour qu'elle puisse nous servir un bol de nouilles. Luxia, notre héroïne, meurt de faim et un trophée va tomber pour avoir mangé des nouilles. Yum! Des ramens. J'aime beaucoup les ramens. Mes préférés, ce sont les ramens coréens, les jajangmyeong. Ce sont des nouilles aux haricots noirs. Enfin bref, donc là on a obtenu des baguettes dans notre inventaire. On peut apercevoir qu'il y a baguettes. On va utiliser ces baguettes près de la flèche rose. Il y a deux cartons empilés l'une sur l'autre. Il y a un point d'exclamation. On appuie sur triangle tout de suite quand ce point d'exclamation se présente à nous. Et on fait croix pour utiliser les baguettes sur ces deux cartons. Elle va récupérer un objet, donc item food en anglais. Ça, en français, on peut traduire ça par outil, objet trouvé. Objet trouvé, voilà. Donc, on vient de récupérer une clé de la chaufferie. Donc, là, on peut voir de la fumée dans ce bâtiment. C'est tout simplement la chaufferie. Donc, on va utiliser cette clé tout de suite quand il y a le point d'exclamation qui se présente à nous. Donc, on entre. Il y a sa sœur, sa grande sœur, la fameuse Big Sister, qui porte le nom du jeu. Elle se nomme Sombria. On va aller récupérer un objet qui est au fond, près du feu. Qu'on avance, point d'exclamation, on appuie sur croix et elle récupère un cintre. On va utiliser ce cintre sur la bouche d'égout juste ici. Hop, inventaire, cintre. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle a ramassé? Une lampe torche. Maintenant, on va aller donner cette fameuse clé au second marchand de poissons. On appuie sur triangle, clé de la chaufferie, et on lui donne pour faire tomber le trophée. Pour avoir rendu la clé à son propriétaire. Donc j'attends que le trophée tombe. Maintenant, on va quitter ce chapitre. Il y a une bouche d'aération, d'évacuation. D'air, on va appuyer sur triangle et on va utiliser la lampe torche pour quitter les lieux. Voilà, chapitre 1 terminé, on commence au chapitre 2. J'espère vous guider du mieux que possible.
et que vous comprendrez tout ce que je fais en une speedrun et que ça vous aidera de recommencer à nouveau. Donc là, on sort de sa chambre. On va aller discuter avec sa sœur en bas. Voilà, on parle avec sa sœur en train de fumer à l'extérieur. Je appuie sur option pour passer les dialogues. On va aller récupérer dans la poubelle. Il y a deux poubelles à gauche. On va aller récupérer une épingle à cheveux. Donc je vous montre épingle à cheveux dans l'inventaire en appuyant sur triangle. Maintenant, on va monter à l'étage. On va utiliser l'épingle à cheveux tout simplement sur la porte de la chambre de sa sœur à droite. Tout de suite, on appuie sur triangle et on fait épingle à cheveux, on appuie sur croix. On va récupérer une photo sanglante. Sanglantée, hein. Voilà. Donc, objet trouvé en anglais, item found. J'appuie sur triangle et maintenant il y a marqué photo ensanglantée. On va aller dans la cuisine et on va coller cette photo ensanglantée sur le frigo de la cuisine. Hop, juste ici il y a le frigo. J'appuie sur triangle et je mets photo ensanglantée. Maintenant, on quitte un tout petit peu et on revient parler avec le frigo. Ça fait bizarre, on revient parler avec le frigo. Voilà, c'est fait parce que elle veut que sa sœur quitte le salon. Donc on va aller dormir. Sombria va interagir avec son lit pour aller faire dodo. On appuie sur option pour passer. Il fait nuit désormais, donc elle n'a pas sommeil. On va aller se promener. Hein. Et à surprise, une scène macabre du sang au sol. Donc on va aller dans la cuisine pour voir si sa sœur, sa grande sœur s'y trouve. Qu'elle n'est pas là. Elle nous dit d'aller dans la salle de bain pour vérifier. Donc on va aller dans la salle de bain pour voir si elle est là. Non, donc on va aller à l'extérieur. Elle nous demande d'aller dehors pour voir si sa sœur n'est pas dehors. Hop, on prend la porte principale là où il y a les taches de sang. Et il y a un camion. Donc on va interagir avec la porte de derrière du camion pour voir si sa sœur ne s'y cache pas dedans, on sait jamais, hein. Et oui, elle est dedans malheureusement. Lousia, tu dois partir. Que s'est-il passé? Va-t'en. Oh non, la porte est fermée. Donc elles sont bloquées toutes les deux maintenant à l'intérieur. Donc on met fin à ce chapitre 2. Chapitre 3. Donc elle se trouve dans une salle de thérapie. Donc là, c'est son psy, hein, psychologue. Donc il y a deux trophées manquables. Il va falloir interagir tout de suite avec la boîte rouge et bleue où il y a marqué Toys. Toys en anglais veut dire jouer. On va récupérer une poupée dedans. Voilà, je vous montre. Triangle, poupée. On va la donner au psy. Triangle, poupée. Pour faire tomber le trophée. On passe le dialogue. Maintenant, on va aller récupérer le cerveau qui est tout au bout. Il y a une espèce de un bout coloré en rose, c'est un cerveau, donc on interagit avec cet objet rose et on va le donner. C'est un cerveau qu'on va donner au psy. On appuie sur triangle quand on est près de lui. Hop, cerveau. On lui donne pour faire tomber le deuxième trophée manquable. Voilà, donc je passe les dialogues pour faire tomber le trophée. Maintenant, on peut sortir de cette salle de thérapie. On va aller dans la salle d'attente. On va interagir tout de suite. À droite, il y a un tapis rouge au sol et il y a des flyers, des brochures. On interagit avec ces brochures pour faire tomber le trophée. Hop, on attend qu'il tombe. Parfait. Maintenant, on va essayer de quitter les lieux. Hop, il y a la vieille dame qui essaie de nous parler. Donc maintenant on peut aller dans les toilettes. Hop, il y a une toilette tout à droite, il y a une espèce de pancarte avec un bonhomme rouge et bleu. On interagit avec les toilettes, il y a une main qui tient une clé. Donc elle vient de récupérer la clé, quand on va quitter les lieux, il y aura une cinématique.
Donc on passe la cinématique, elle va être bloquée dans les toilettes. C'est sa sœur qui semble être complètement possédée. Ou peut-être qu'elle est complètement en train de rêver, hein, Sombria. Luxia, je confonds toujours Luxia et Sombria. Alors, on quitte les toilettes maintenant. On va aller dans le salle d'attente. On va quitter les lieux. Avec la clé qu'on a récupérée dans la cuvette, on peut partir. Donc, on se met dans le coin ici, à l'extrémité. C'est l'entrée principale. Et on choisit la clé de la salle de thérapie dans l'inventaire pour partir et on mettra fin à ce chapitre numéro 3. Donc là, il y a la vieille dame. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la vieille dame, c'était la dame de nouilles, au tout début dans le chapitre 1. Donc là, on commence le chapitre 4, prisonnier. C'est le chapitre le plus long. Pas mal de collectibles à ramasser dans ce chapitre. Un trophée qui est lié à l'histoire, automatiquement immanquable. Donc on y va, on commence, on va passer par le petit pont ici, on va aller à droite, il y a un poisson sur la table. Donc on le récupère pour la suite de l'aventure de l'histoire. Hein. Il faut à tout prix obtenir ce cet objet. On va interagir avec l'évier ici pour faire tomber le trophée. Voilà, donc le trophée va tomber pour avoir fait chaud, froid sur l'évier. On va interagir avec le trou tout au bout pour récupérer une tuile. Très important la tuile, il en faut deux. Donc voici la première, je vous la montre. Donc on a le poisson mort qu'on a récupéré sur le comptoir du restaurant, la tuile rouge. Voilà, nous n'avons que ces deux objets. Nous allons maintenant quitter tout en bas. On va aller en bas, oui. On va prendre tout de suite la porte d'entrée du couloir. On va interagir avec les casiers. On se trouve dans la pièce. Les vestiaires, tout simplement. On interagit avec le premier casier. Et c'est fermé, donc elle va aller voir sa sœur pour lui demander une épingle à cheveux pour pouvoir ouvrir le casier. Bien sûr, elle ne va pas lui expliquer ce qu'elle va faire avec. Donc sa sœur va lui dire pourquoi faire, pourquoi tu veux ça. Elle lui dit qu'elle a une frange et l'autre lui dit mais tu as aucune frange devant. Elle dit non, c'est pas devant, c'est derrière. Un petit humoristique ce jeu. Donc là on quitte, on descend, on retourne dans le casier. On retourne près du premier casier, on appuie sur triangle et on prend l'épingle à cheveux que sa sœur vient nous donner tout de suite. Voilà, on a récupéré un masque dedans. Donc je vais vous montrer le masque. Très utile, on va l'utiliser après tout à l'heure pour le donner au cuistot. Donc là on va aller tout à gauche en bas, prendre la porte du bas. On va récupérer deux objets. Il y a ici une commode. On va récupérer une lampe torche. À côté de Housse, il y a marqué Housse sur le mur. Voilà, maintenant on va aller près de la poubelle, tout à gauche, près du tapis rouge et jaune. Il y a une poubelle. On clique dessus, on va récupérer une fleur de lys. Donc, je vais vous montrer les deux collectifs qu'on vient de récupérer. Donc c'était quoi? C'était ceci, la lampe torche, lampe de poche. Et puis lys rouge. Maintenant, on va retourner voir sa sœur. On va aller dans la cuisine. Voilà, on va dans la cuisine. On passe près de sa sœur. Ici, hop. On va tout de suite. Hein, on passe les dialogues. En tout cas, moi, je passe les dialogues. On prend le bol de nouilles pour récupérer des baguettes. Donc je vous montre les baguettes, ça doit être en dernière position, les voici. Maintenant on va donner le poisson au cuistot pour faire tomber le trophée. Hop, on lui donne tout de suite dès qu'il y a le point d'exclamation. Et le monsieur le boucher, c'est un poisson mort, je le sais déjà, on dirait une carpe traditionnelle japonaise. Mais ce poisson est mort, je l'ai retrouvé mort sur la paillasse dans le restaurant. Oh, c'était mon dîner, c'est répugnant. Donc le trophée devrait tomber normalement tout de suite pour avoir discuté avec lui. Du poisson, faut lui donner le poisson. Donc maintenant on va lui donner le masque. Masque étrange, on appuie sur triangle dès qu'il y a le point d'exclamation et on lui donne. Il va nous donner en échange un couteau. Voilà, ça y est. Est-ce que j'ai le couteau? Oui. Donc on peut quitter les lieux. Donc on va retourner dans le couloir tout au bout.
On va déchirer la tapisserie. La tapisserie, c'est tout simplement le mur, le papier peint ici. On va fissurer cet endroit. On appuie sur triangle dans l'inventaire. On prend le couteau. Voilà, c'est fait. On avance. Il y aura la dame du mur. Elle va nous poser trois questions. Donc là, tout de suite, j'appuie sur option pour passer tous les dialogues. Et là, tout de suite, elle va poser une question, une énigme. Donc faites attention. Donc là, elle a dit danger. Très important. Vous êtes, ne passez pas le. Moi, j'ai passé, mais parce que je savais qu'elle allait poser la question. Mais à un moment, elle va vous dire, est-ce que tu veux bien faire quelque chose pour moi? Réponds à cette question. Donc elle m'a dit danger. Donc, en fait, c'est aléatoire. Elle peut dire danger, elle peut dire traditionnel ou elle peut dire utile. Elle utilise trois mots différents selon vous ou selon moi. Sur moi, c'est tombé sur danger. Donc, il faudrait que j'appuie sur triangle et que je lui donne ceci, le lys rouge. Si vous, elle dit traditionnel, donnez-lui le poisson. Si elle dit utile, donnez-lui les baguettes. Moi, elle a dit danger, donc ce sera le lys rouge. Donc ne passez pas les dialogues comme moi j'ai fait, ou bien faites-le qu'une fois et ensuite tout de suite elle posera la question, le dernier mot qu'elle posera, c'est très important. Pour sortir d'ici, tu dois trouver le passage secret de la sorcière. Tu pourras le trouver derrière le bassin. Prends ce carreau, c'est une des clés qui te permettra de sortir. Donc comme j'ai répondu correctement à sa question, son énigme quand elle m'a dit traditionnel. Non, elle avait dit danger, elle avait dit danger, donc je lui ai donné la fleur. Donc c'est parfait, elle m'a donné une tuile. Donc si je vais dans l'inventaire, je me retrouve avec deux tuiles. Donc elle m'en a donné une. Et l'autre, je l'ai récupérée dans le trou, dans le restaurant, là où il y avait les tables à manger. Donc voilà, donc dès que vous arrivez ici, faites attention de ne pas passer tous les dialogues. Soyez prudent parce que je crois que vous pouvez pas revenir en arrière. Vous devrez recommencer le chapitre si vous avez loupé. Sa question comme ça va vite. Donc maintenant on va entrer dans le sauna ici. On va interagir avec les yeux qui sont là. Hop. Je vais mettre la tuile rouge. Le deuxième avec le point d'exclamation, je vais mettre la tuile rouge numéro 2 pour fermer deux yeux. Voilà, donc là on est en train de finir le chapitre. Chapitre 4, on est en train de mettre fin à celui-ci. Donc maintenant, on va récupérer la planche qui est par terre ici. Hop, on va le mettre dans notre inventaire. Planche de bois, on va l'utiliser pour faire un pont juste là. On va entrer et on va tout de suite interagir avec l'étagère devant nous pour récupérer un aimant. Parfait, maintenant cet aimant on va l'utiliser sur la bouche d'égout. Ici, on appuie sur triangle, on sélectionne l'aimant pour récupérer un objet. Voilà, on vient de récupérer un tuyau en métal, donc on va l'utiliser sur le deuxième trou un tout petit peu en contrebas. On vient de récupérer quoi? Une ligne de pêche. Donc maintenant, on va se mettre près de l'aimant. C'est cette chose qui clignote, qui demande qu'à être ramassée. On va cliquer sur croix pour parler avec cet objet.
Elle dit qu'elle va fabriquer une canne à pêche. Donc, elle vient de fabriquer une canne à pêche Luxia. On appuie sur triangle. On utilise la canne à pêche pour récupérer l'objet dans l'eau. C'est tout simplement un câble d'alimentation. Donc, on va l'utiliser sur la machine. Ici, on appuie sur triangle et on met câble d'alimentation. Voilà, l'eau a complètement diminué du bassin. On peut aller récupérer la clé qui scintille juste ici. On peut quitter les lieux. On va retourner près de sa sœur. Hop, près de sa sœur, on appuie sur triangle et on prend la clé des égouts pour quitter les lieux qu'on vient de ramasser dans l'eau. Donc moi, je passe le dialogue. Donc il y a un trophée qui demande de parler aux 4 PNJ du coin. Donc là, il y en a un, le premier, qui dit qu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir des parents. On va interagir avec la deuxième PNJ qui nettoie le comptoir. Hop, c'est fait. On va parler au troisième qui est près du comptoir, qui va nous demander de lui trouver une pomme en échange. Il va nous donner une clé pour ouvrir un grand portail. Donc on va aller lui récupérer la pomme après. Donc là ça fait deux, ça fait trois, pardon. Ah bah il est déjà tombé alors que j'ai pas encore parlé à celui-ci. Donc on continue à parler avec ce quatrième personnage et le trophée bah, est déjà tombé, donc mais bon. Voilà, faut parler aux trois personnages ou à quatre personnages pour que le trophée tombe. Donc c'est fait. Donc maintenant on va prendre l'escalier du milieu. Et on va aller chercher une pomme. Hop, juste ici. C'est parfait, on va aller la donner au personnage au comptoir. On va lui faire triangle et on va sélectionner la pomme dans l'inventaire. On lui donne. Il nous donne une clé normalement à la fin de la conversation. C'est parfait, je regarde. Clé du portail. On y va, on va aller ouvrir ce portail. Donc ça c'est pour sauvegarder, hein. Vous pouvez sauvegarder si vous le souhaitez. Mais à chaque fois que vous faites une sauvegarde, ça écrase les précédentes. Il y a une sélection des chapitres à la fin, quand vous avez terminé le jeu la première fois. Donc on appuie sur triangle, on prend la clé du portail, on ouvre, on va aller dans le laverie, hein. Hop, on passe le dialogue et on met fin à ce chapitre. Chapitre 5 qui demande de fuir. Donc elle nous a donné la clé de la salle de bain. Je vais vérifier après. Voilà, donc là j'appuie sur triangle. Clé de la salle de bain. Parfait. Donc si j'appuie sur option, c'est quoi? Ok, donc on ne peut pas sauvegarder à partir de là. Donc maintenant on quitte les lieux, il faut passer là où il y avait le personnage avec sa fameuse pomme et on se trouve devant la salle de bain. Donc on prend la clé de la salle de bain pour quitter et finir ce chapitre. Chapitre 6. Donc là, on va suivre la scène sanglante. On va interagir avec le trou. On va aller voir si la dame du mur est toujours là. Non, elle n'est pas là. Elle a laissé un petit mot, disant qu'elle allait se venger. Donc elle va apparaître tout de suite. Hop, là, on la voit. On va retourner voir. Elle va nous pourchasser, regardez. Très très rapide et il y a un game over, il y a un trophée qui va tomber pour avoir fait le game over. On fait continuer, on recommence la même scène. On recommence le chapitre 6 tout simplement.
Donc on recommence, on va aller voir si la dame du mur est là. Voilà, elle est là, mais on ne fait plus attention à elle. Maintenant, on va aller dans la cuisine. On va récupérer un couteau qui est dans le pendu. Donc on y va, on récupère son couteau. Je sais pas si vous voyez bien, il y a du marron et du gris sur le corps du personnage. Donc on appuie sur croix pour interagir et option, on vient de récupérer le couteau. Hop, oui, parfait. Donc maintenant on peut quitter les lieux. On va aller dans le sauna. Voilà, près du casier. Dans les vestiaires, on va parler avec sa sœur qui va nous demander d'aller dans le cercle de droite. J'ai besoin de ton aide, fais exactement ce que je te dis. Allez, ok, donc sa sœur, elle s'exécute. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? On va prendre le couteau parce qu'il faut qu'elle se fasse une petite encoche sur le doigt pour qu'elle saigne. Parce que sa sœur veut alerter le fantôme, veut la faire venir ici. Donc on appuie sur triangle et on prend le couteau pour qu'elle puisse se donner un petit coup. Deux blessures au doigt. C'est parfait, normalement il y a le fantôme qui est bloqué dans l'enceinte des vestiaires. Donc on peut quitter, on va retourner dans la cuisine, on va aller récupérer un bonbon. Hein. Le bonbon est juste sur le comptoir à gauche, on le prend et ça mettra fin à ce chapitre. Voilà, chapitre suivant, le chapitre 6, l'arrêt de bus. Voilà, on y va. Donc là, il va falloir. Donc ça, c'est pour sauvegarder. Hein. Moi, je ne sauvegarde pas, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc on va aller à droite. Donc là, il y a des champignons. Sa sœur va nous demander d'en récupérer 5 parce qu'elle va avoir faim. Hein. Donc on y va, on passe le dialogue. J'ai tellement faim, on ne bouge plus, on reste comme ça jusqu'à énerver sa sœur pour faire un game over et faire tomber le trophée qui est manquable. Donc on va recommencer cette scène 2 fois. Donc on ne bouge plus, on attend. Sa sœur, elle va apparaître sur l'écran à droite en grand format d'image et elle va se mettre à parler en anglais. Voilà, donc là, elle n'est pas contente. Elle va commencer à ouvrir les yeux et être de plus en plus énervée de voir qu'on est ennuyeuse, de ne pas obéir. Elle va être en colère. Donc on attend. J'ai besoin de ton aide. I need your help. Qu'on attend patiemment que Game Over s'affiche et obtenir le trophée. Ah, là, tu commences à m'énerver. Hein. C'est un trophée manquable, celui-ci. Voilà, c'est fait. Donc, il y a le game over. On va recommencer. On fait continuer. On recommence ce chapitre, mais cette fois-ci, on va le faire correctement.
Option, je passe les dialogues, je retourne voir sa sœur avec un cerf éventré couché sur le sol derrière elle. Donc on y va, elle a dit qu'à la fin on va aller récupérer des champignons. Donc les champignons se trouvent ici, ils sont rouges. Il faut faire un peu vite parce que sinon vous allez faire le game over. Donc il y en a un deuxième en haut. Parfait. Donc maintenant on descend pour aller récupérer le troisième qui est en contrebas ici. Le quatrième qui est en haut, près du monument. Ah, elle peut plus bouger. J'ai dit que j'avais faim. Eh oui, cette fois que je parle. Donc on récupère le champignon, le quatrième. On va aller récupérer le cinquième qui est près de l'arrêt de bus. Donc vous courez en appuyant sur la touche rond, hein. Il faut pas trop traîner, sinon elle va vous faire un game over. Hop, le cinquième. Et voilà, qu'on appuie sur rond, elle court, Luxia, et on retourne voir sa sœur pour lui donner les 5 champignons qu'on vient de récupérer. Donc là, elle commence à être un peu énervée, donc faut se dépêcher un peu. Voilà, donc maintenant, tout de suite, quand on est près d'elle, on appuie sur triangle et on fait croix, et on lui donne. Donc là, elle dit, je t'en supplie encore, donc je rappuie sur triangle, et je lui donne le quatrième champignon. J'appuie sur triangle, je lui donne le troisième champignon. Elle en veut encore. J'appuie sur triangle, je lui donne le deuxième champignon. Et elle a encore faim. J'appuie sur triangle et je lui donne encore le dernier champignon. Et elle est satisfaite. Je me sens mieux, merci. Voilà, donc maintenant, une fois que la discussion est finie, on va aller à droite. On va monter tout en haut. Voilà, c'est fait. Elle a fini de discuter. On monte. On va aller près d'un nouveau petit lieu, une auberge très japonaise. Je demande même si on n'est pas au Japon ici. On va parler au personnage à gauche qui a l'air d'être complètement heureux de manger. Ça fait plaisir. Souriant, on lui parle. Il va nous demander des champignons pour ses nouilles, voilà. Je suis désolée, mais ma sœur les a tous mangés. Mido est triste. Donc, il veut un champignon. On lui rapportera un champignon après, tout à l'heure. Donc, on va parler à l'aubergiste pour qu'elle nous donne un bol de nouilles. Bonjour petite, que fais-tu si profond dans la forêt? J'ai dit un bol, s'il vous plaît. Eh bien, tu dois avoir faim, hein? Tiens, un bol pour toi. Cette dame va nous demander un service. Elle va nous demander d'aller apporter un bol de riz à l'esprit de la forêt. Voilà, tout de suite, elle va lui demander, puis-je te demander une faveur? Bien sûr. Peux-tu aller apporter un bol à l'esprit de la forêt? Il se trouve normalement en contrebas à gauche. Donc là, à côté, il y a Little Jack. Bon, je parle pas avec lui. C'est un petit personnage très rigolo. Donc, on quitte cet endroit. On va descendre. On continue à descendre. Et on va aller à gauche. Voilà, l'esprit de la forêt, je passe le dialogue. Il nous a donné un champignon. Ici, on va le donner au personnage qui m'a chouillé tout à l'heure. Mais on n'oublie pas de lui donner le bol de nouilles pour faire tomber le trophée. Voilà, il est content, il a mangé. C'est délicieux. Le trophée devrait tomber pour lui avoir donné le bol de nouilles. C'est parfait. Maintenant, on va aller donner le champignon au personnage qui s'appelle Mudo, qui a l'air un peu triste parce qu'il n'y a plus de champignons dans ses nouilles. Qu'on va lui donner ceci. On se met près de lui, on appuie sur triangle dès qu'il a le point d'exclamation et on fait champignon. On lui donne. J'ai quelque chose pour toi. Tadam, des champignons. Merci. En échange, il va nous donner. Voilà, pour lui avoir donné des nouilles. De toute façon, c'est lié à l'histoire. On ne peut pas vraiment le louper, ce trophée. Il vient nous donner une feuille en échange. Je vous montre. Feuille spéciale. Donc maintenant, on peut quitter les lieux et finir ce chapitre grâce à cette feuille. Cette feuille est primordiale. Si on ne l'a pas récupérée, on ne peut pas terminer le chapitre. Serait un peu bloqué sinon, puisqu'il va falloir
mettre cette feuille sur la tête de sa sœur. Donc si on ne fait pas ça, bah on est bloqué. Donc la feuille spéciale, on la donne à sa sœur, on interagit bien avec elle, hop, ici, triangle, et on lui donne. On va le mettre sur sa tête, sur ses cheveux. Voilà, donc là ça met fin au chapitre. Chapitre 6, on va commencer le chapitre 7. Trop fait lié à l'histoire, automatique, immanquable. Voilà, on se trouve dans le train, on va aller parler au chauffeur du train qui se trouve en contrebas. Par contre, on constate que la porte est magnétique, il faut une carte passe pour entrer et elle n'en a pas. Donc elle va faire demi-tour, on remonte tout en haut près de ses chambres. On va dans sa chambre et on prend la carte sur la table basse de son lit. Voilà, donc on récupère la carte passe qui est sur la table. On va retourner voir le chauffeur pour lui demander s'il n'a pas vu. Donc je vous montre l'objet qu'on vient de récupérer. Carte de la salle de commande. On va retourner voir le chauffeur. On va lui demander s'il n'a pas vu sa sœur, Sombria. Que dans cette partie du jeu, on va nous balader hein, de haut en bas à chaque fois. Donc on appuie sur triangle, inventaire, carte de la salle pour entrer, et puis on discute avec lui. C'est fait, maintenant on remonte en haut, on retourne près des chambres, près des bagages. Donc maintenant il faut tout simplement retrouver sa sœur qui doit être dans les toilettes, je suppose. Elle va nous donner une carte passe. Elle doit être là, voilà. Donc, elle va nous donner une carte passe. Je vous montre après. Carte de la salle des bagages. Voilà, sa sœur nous a donné ceci. Donc, maintenant, on monte vers le nord, tout en haut. On va faire en sorte de sortir. On va donner cette carte passe à Little Jack, qui est un peu le gardien de la porte. Hein. Trouve une carte, mais je l'ai déjà la carte, donc je lui donne. J'appuie sur triangle quand il y a le point d'exclamation. Voilà, c'est fait. Maintenant, la porte est ouverte. On peut continuer à monter tout en haut. Hop, petite cinématique. J'appuie sur option. Et on doit à tout prix sortir du train pour continuer à déverrouiller la suite de l'histoire. Donc option. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir le chauffeur du train. Mais entre-temps, il y aura la dame aux nouilles, la vieille dame qu'on ne cesse de rencontrer, qui va encore être là. Elle est partout, elle, dans tous les chapitres, elle est là. Donc elle devrait être là, pas loin, dans le prochain wagon. Hop, elle va nous donner un trophée. Après avoir discuté avec elle. Voilà, donc il faut
lui parler, donc Sombria normalement parle automatiquement avec elle. Donc on retourne voir le chauffeur de train et à sa sœur. Donc on retourne parler au chauffeur. Hop, je passe les dialogues. On va utiliser le téléportation TP, hein, le transport point de passage. Ok. Donc j'appuie avec, j'appuie sur croix. Non, je me suis trompée. Il faut pas aller là. Il fallait aller au wagon. Bon, c'est pas grave. En fait, il faut tout simplement monter tout en haut. Allez, on y va à pied au lieu de se faire téléporter. Il fallait se faire téléporter au wagon à bagages. Ah voilà, ça y est, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On interagit avec le bouton qui est ici. Donc là, on est dans le wagon à bagages. Hein. La scène vient de se dérouler dans ce lieu. Vous devez monter tout en haut pour faire passer cette scène. Voilà, il y a l'échelle qui vient d'apparaître juste ici et le trophée est tombé pour avoir appuyé sur le bouton. Donc on prend l'échelle, il y a une cinématique qui va avoir lieu. Donc on va suivre sa sœur qui est partie vers le chauffeur de train. Mais avant d'aller voir sa sœur, on va interagir avec ces deux chambres. Voilà, ici il y a deux chambres, pas la première, la deuxième et la troisième, pour faire tomber un trophée. Hop, on entre, elle va se mettre à parler toute seule. On interagit avec la troisième chambre pour que le trophée pop tombe. Voilà, c'est fait. Maintenant, on descend et on va aller près du chauffeur du train. Il y a sa sœur qui nous attend. Et on mettra fin à ce chapitre. Donc, on parle avec sa sœur. Option, passer le dialogue. Et le chapitre 8. Option pour passer. On se trouve dans les tunnels du métro. Hein. Donc, qu'allons-nous faire? On va aller tout à droite. On va interagir avec l'évier qui est ici pour récupérer un objet. C'est tout simplement un tuyau en métal. Maintenant, on va passer devant sa sœur, Sombria, et on va monter tout en haut à gauche. C'est noir, mais il y a bien une porte ici, invisible. On appuie sur croix pour interagir avec la porte. Donc là, il y a un fantôme, mais il y a la grille qui nous empêche de la voir, de lui parler. Donc notre rôle maintenant est de ouvrir cette fameuse barrière. Donc on va interagir avec le distributeur pour récupérer un bonbon. Voilà, elle a récupéré un bonbon dans l'inventaire. Je vous montre. Hop, bonbon, barre sucrée. Donc on interagit avec la fenêtre et on va la briser avec le tuyau en métal. Allez, elle s'est faufilée à l'intérieur du bureau. Maintenant, il faut interagir avec l'ordinateur qui va tout simplement nous informer que pour faire fonctionner la grille, il faut aller dans l'ascenseur qui est au sous-sol. Donc, on va aller près de l'ascenseur et s'y cache un fantôme qui aime les sucreries. Pas cet ascenseur, mais celui-ci qui est entrouvert à moitié. Donc on y glisse une barre sucrée pour faire venir le fantôme. Et ce fantôme, en montant jusqu'ici l'ascenseur, a ouvert la grille de l'autre côté à gauche. Oui, donc la barrière s'est ouverte. On va aller voir ce qui s'y passe. On va prendre le passage où il y a marqué Die, meurt en anglais. Hein. Et tout de suite, elle parle automatiquement avec le fantôme. Donc on passe les dialogues. On peut quitter cet endroit, on retourne là où on est entré et on va aller voir sa sœur, Sombria, qui va nous donner une poupée.
Voilà, on parle à sa sœur. Le dialogue est plutôt long et elle va nous donner une poupée. Ensuite, il y aura marqué item fund. Une minute, j'ai besoin de faire certaines choses avant. J'ai trouvé cette poupée, tu la veux? Elle a l'air assez vieille. Voilà, donc on a une poupée. J'appuie sur triangle et poupée. C'est parfait, on va la donner au fantôme en bleu. Ça lui appartient, elle est la propriétaire de cet objet. Qu'elle va être très contente. Elle qui pensait que Sombria était quelqu'un de méchante. Quand elle va voir qu'elle va lui offrir la poupée, elle va être satisfaite. Donc on rediscute avec elle, on appuie sur triangle, on lui donne la poupée pour faire tomber le trophée. On va sortir maintenant d'ici. On va aller à gauche et on va interagir avec la banderole jaune juste ici en haut, dans l'entrée du tunnel. Et elle va dire, j'entends un rire. C'est une petite cinématique. Donc moi, je passe les dialogues. Maintenant, il faut tout simplement quitter les lieux. Donc il faut prendre le passage où il y avait le fantôme bleu. Là où, voilà, ici. On descend, on passe devant le distributeur, là où il y a marqué live. Donc on prend la porte, et il y a sa sœur qui nous attend ici. Et on n'a plus qu'à sortir. Exit. Interagir avec la porte debout. Et voilà, c'est le dernier chapitre, c'est la fin, chapitre 8. C'est le chapitre qui va nous demander de rejouer 4 fois. Donc on va répéter plusieurs actions d'affilée ici pour faire tomber plein de trophées. Donc on y va, on commence. Donc là, la première chose à faire est de rentrer dans sa chambre, car on va la faire forcer à dormir, Sombria. Elle n'a pas envie de dormir, mais pour le trophée, il faut qu'elle fasse un game over et qu'elle aille faire dodo. Donc on entre, on va dans sa chambre et puis on appuie plusieurs fois sur son lit malgré qu'elle n'est pas fatiguée. Hop, on recontinue à interagir avec son lit une troisième fois avec le point d'exclamation. Et elle finit par s'endormir. Il y a marqué, je ne peux pas rester éveillée. Continuez. On recommence encore pour la deuxième fois. Il y a encore 3 fois qu'il nous faut faire. Donc là, on continue. En fait, il y a plusieurs fins dans ce jeu. On a la fin du chapitre, donc il faut débloquer plusieurs fins. Allez, on y va. Maintenant, ça commence. On va finir une fin. On va près des poubelles. On récupère une épingle à cheveux. C'est parfait, maintenant on monte tout en haut dans sa chambre, on va aller récupérer un tournevis. Au premier étage, il y aura une commode au milieu du couloir. Ici, hop, on interagit. On va ensuite récupérer... Non, on va ensuite aller dans la cuisine. Voilà, une fois qu'on a récupéré le tournevis, on va dans la cuisine juste ici. Hop, on passe les dialogues. On va aller dans la salle de bain. On va utiliser le tournevis, il y a une porte au sol, juste ici, encastrée par terre. On appuie sur triangle et on va prendre le tournevis pour l'ouvrir et accéder à la cave. Donc, on quitte le lieu, hop, tout de suite on prend l'échelle et on va aller voir sa sœur dans sa chambre. Hop, on monte. On va aller parler à sa sœur. On appuie sur triangle pour prendre l'épingle à cheveux sur la porte de la chambre de sa sœur. Et on découvre une fin mauvaise. Sa sœur s'est pendue. Donc Sombria ne bouge plus. J'attends que le trophée tombe et que les dialogues de fin arrivent. Et on relancera le jeu. Voilà, c'est fait, donc maintenant il n'y a plus qu'à patienter, on ne peut pas passer les dialogues, donc on doit attendre la fin des crédits.
Ben, c'est la fin des crédits. Merci d'avoir joué. Merci à vous d'avoir travaillé sur ce jeu et de nous faire plaisir en nous divertissant pendant nos temps de loisirs et nos temps libres. Donc, on vient de terminer la mauvaise fin. On va la relancer et tenter de débloquer toutes les fins qui sont au nombre de 4. Donc, ça fait à peu près. En fait, il y a 8 chapitres, mais on en rajoute 4 tout simplement parce qu'il y a 4 fins. Donc, ça fait un total de 12 chapitres. Allez, on continue. Merci d'avoir joué. Oui, merci à vous de regarder mes guides. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de mettre des j'aime également. Je ne suis pas du genre à demander aux gens de m'abonner. C'est pas, je suis pas comme ça. Moi, je laisse le bon vouloir aux gens de s'abonner ou d'aimer mes vidéos. Je ne force personne. Si mon contenu vous plaît, je suis chaleureusement contente. Si ce n'est pas le cas, je suis vraiment désolée. Ce serait bien de m'expliquer la raison. Enfin bref, on continue le chapitre. On va relancer le dernier chapitre. Donc là, on vient de terminer la fin. Donc vous pouvez apercevoir qu'on a la sélection des chapitres. Donc soit vous faites continuer et on va reprendre le dernier chapitre automatiquement. Soit vous avez sélectionné un chapitre. Et le chapitre, il faut aller au chapitre 12 pour retourner sur le dernier chapitre qui s'appelle briser ou renforcer. Donc on clique dessus. Ou bien vous faites continuer tout simplement. Voilà, on a relancé le dernier chapitre. Chapitre 12, briser. On appuie sur option, on récupère l'épingle à cheveux dans la poubelle. On va retourner au premier étage. Hop, je vous monte. Épingle à cheveux. On monte au premier étage. Récupérer le tournevis. Sur la commode, ici, tout de suite. Hop, j'appuie sur croix. On va aller dans la cuisine pour aller dans la salle de bain. Et ensuite aller au sous-sol. Donc je passe les dialogues. Il y a encore la dame aux nouilles. Donc on va dans les toilettes. On interagit avec la porte au sol. On appuie sur triangle, tournevis. Et voilà. Donc on passe les dialogues. Mais cette fois-ci, on prend l'appel. Tout à l'heure, lors de la précédente, on ne l'a pas pris. Mais cette fois-ci, on la prend. Voilà. On attend qu'il y ait un point d'exclamation pour pouvoir le récupérer. Hop! Donc j'ai quoi dans mon inventaire? La pelle et l'épingle à cheveux. Donc on quitte la salle de bain et on va aller à l'extérieur, près des poubelles. Il y avait une cultivation de carottes. Donc je passe les dialogues en appuyant sur option. Je vais dehors. Voilà, donc on va aller déterrer une carotte. Pour n'importe quelle carotte, on s'en fiche. C'est appuyé sur triangle et vous prenez la pelle pour qu'elle déterre et elle va récupérer un couteau du boucher qui était celui du restaurant japonais avec la fameuse carpe koi japonaise traditionnelle, le poisson. Donc normalement j'ai quoi dans mon inventaire? Il me fait confiance, elle ricane. Objet trouvé, triangle, le fameux couteau. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce couteau? On va retourner dans le sous-sol et on va aller récupérer le cœur du personnage qui était attaché au sous-sol. Je pense que c'est la maman de Sombria et Luxia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait au sous-sol, attachée comme ça. Donc on se met près d'elle, près du point d'exclamation, on est pris sur triangle et on prend le couteau pour lui prendre son cœur, malheureusement. Donc si j'appuie sur triangle, elle a le cœur de maman. On va aller dans le salon. Et on va aller mettre un terme à la vie de la dame Onouille, la vieille dame qui se trouve dans tous les chapitres. On ne cesse de la rencontrer partout, elle. Donc je pense que elle est trompeuse, cette dame. Elle se fait passer pour quelqu'un de bien, mais en fait, elle ne l'est pas vraiment. Donc on se met près d'elle, on appuie sur triangle et on prend le couteau. Et on. Voilà, et puis voilà, on la tue. Et on appuie sur option. Moi, en tout cas, j'appuie sur option pour passer les dialogues. Et elle est morte. Maintenant, on va aller voir sa sœur, sa grande sœur, Sombria, dans sa chambre. On va utiliser l'épingle à cheveux pour pouvoir entrer. Et voilà, il y aura deux trophées qui vont se débloquer, Mother Heart et The Last Page. Donc, voyons ça.
Bon, ça me semble être une fin heureuse, puisqu'on a mis un terme à deux personnages plutôt antagonistes, méchants, cruels dans le jeu, la vieille dame et sa maman, qui me semble être une femme cruelle. Voilà, donc là, il en manque un, il manque le trophée The Last Page pour cette fin. Donc là, on a récupéré un trophée de cette fin, il en manque un deuxième. Parfait, donc ça c'est génial. On va recommencer encore une fois le chapitre abandonné ou continuer. Voilà, il est marqué on a réussi, il y a encore les crédits, donc il va falloir attendre que les crédits défilent ensuite. Hop, je passe. Et voilà, c'est la fin de cette histoire hein, qui est plutôt bonne. Elles sont heureuses. On va continuer, soit vous faites continuer, soit vous faites sélectionner un chapitre et vous prenez le chapitre 12. Moi je vais faire continuer et on va retourner au dernier chapitre auquel on a joué. Donc on recommence encore une fois à la fin pour débloquer toutes les fins multiples qui existent sur ce jeu. Donc on va recontinuer à faire les mêmes manipulations jusqu'à atteindre la cave. Donc je récupère l'épingle à cheveux dans la poubelle à gauche. On va monter au premier étage pour récupérer un tournevis. Allez, on y va. Tournevis qui est dans la commode du couloir. Parfait, donc je vous montre ce qu'on a récupéré jusque-là. Épingle et le tournevis, on va aller dans la cuisine. On va utiliser le tournevis sur la porte au sol afin d'accéder à la cave. Hop, je passe les dialogues encore avec la vieille dame ou la dame de nouilles. Donc là, on est dans la cuisine, mais cette fois-ci, avant d'entrer dans le sous-sol, on va tout simplement interagir avec le miroir. Ici, il y a un point d'exclamation. Et on va entrer le mot Ashina sur le miroir. Donc, on met la lettre A, la lettre S, la lettre H. La lettre I, la lettre N et la lettre A. On appuie maintenant sur croix pour enclencher la lecture. Enfin, en quelque sorte, appeler Ashina. Tu m'as appelé, on dirait que ma mère avait tort, tu es le plus intelligent. Voilà, maintenant que c'est fait, on va descendre au sous-sol. On interagit avec la porte en bas, on appuie sur triangle, hop, et on prend le tournevis. Pour descendre, donc c'est ouvert, on va descendre, on va prendre les escaliers. On va tout simplement prendre l'appel ici, hop, on va remonter, on va aller déterrer le couteau qui est dans la. Ouais, à l'extérieur pour déterrer les carottes. La carotte, il n'y en a qu'une. On passe les dialogues avec la vieille dame, ou la dame aux nouilles. On va à l'extérieur, on va interagir avec les carottes. Ici, on appuie sur triangle et on prend la pelle pour déterrer le couteau. On va ensuite aller tuer la dame aux nouilles avec ce fameux couteau qu'on a récupéré. Donc je vous montre le couteau. Hop, couteau, c'est parfait. On va aller près de la dame aux nouilles. On entre dans le domicile, on se met à côté d'elle, on appuie sur triangle et on prend le couteau. Je passe les dialogues et elle est morte. Maintenant, on va tout simplement monter à l'étage. On va aller dans la chambre de sa sœur à droite. On prend l'épingle à cheveux devant la porte. On entre. Et puis, bah, normalement, il y a deux esprits, l'esprit en rouge et l'esprit en bleu qui devraient apparaître tout de suite.
Et ça, c'est tout simplement pour avoir interagi avec le miroir. Nous avons écrit le terme Ashina. Donc, on devrait se trouver à l'hôpital et les deux esprits devraient apparaître tout de suite. C'est parfait. Donc, on va devoir recommencer encore une fois ce chapitre après pour faire tomber encore un trophée. Donc là, il y a un trophée qui va tomber. Every story. Chaque histoire a une happy ending. Donc là, on contrôle sa grande sœur, Sombria. Donc on sort de l'hôpital, elle va aller se mettre à fumer. Donc la fumée, c'est pas bon. Et on va interagir avec le cendrier qui est de gauche. C'est très important d'aller à gauche pour fumer. On appuie sur triangle dès que le point d'exclamation et on prend ses cigarettes et elle se met à fumer à gauche. Après, on va relancer le jeu et on va recommencer la même chose, sauf que cette fois-ci, elle ira fumer à droite. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Voilà, dès qu'elle a fini de fumer, on va rentrer dans le bâtiment. Hop, on entre tout de suite dans le bâtiment de l'hôpital. On retourne dans la chambre de sa petite sœur pour mettre fin à ce chapitre. Donc là, on est en train de se dire peut-être que sa sœur est dans un rêve complètement, elle est en train de faire des cauchemars et qu'en fait, elle est simplement dans le coma. Et que la vie d'Amonouille, bah, c'était tout simplement la patiente qui est à côté dans la même chambre. Ah, elle s'est réveillée. Donc ça fait plaisir, je pense que c'est une fin heureuse. Voilà, chaque histoire a une fin heureuse. Elle a réussi. J'aime bien cette fin, je trouve que c'est la meilleure. Voilà, parfait. Je suis contente. Il n'en manque plus qu'une. On va recommencer encore la dernière fin cette fois-ci pour récupérer encore un dernier trophée pour faire tomber le platine. On va recommencer la même procédure, tout ce qu'on vient de faire jusqu'ici, tout de suite le dernier chapitre. Avec cette fin-là, on va la refaire. Mais au lieu de fumer à gauche, elle va fumer à droite. Dites-moi pourquoi, je sais pas, aucune idée pourquoi ils se sont dit, allez, on va mettre un trophée où elle va fumer à droite et l'autre à gauche. Mais bon. Peut-être un moyen de nous faire continuer à jouer le plus longtemps possible. Et voilà! Plus qu'un trophée, c'est parti, on y va, allez, courage, c'est bientôt fini. Qu'on n'oublie pas d'appuyer sur croix, sinon ça continue à défiler. On fait continuer à nouveau. Ou sélectionner le chapitre 12, le dernier. Donc on y va, allez, c'est parti, on recommence. Poubelle, épingle à cheveux. On n'oublie pas d'appuyer sur croix pour faire défiler les textes. Allez, dernière ligne droite, l'épingle à cheveux dans la poubelle. Donc je vous montre, épingle à cheveux, c'est parfait, on retourne à l'étage. Hop, on monte par les escaliers, on va aller récupérer le tournevis dans la commode. Je vous montre l'objet que j'ai récupéré, tournevis. On va aller dans la cuisine. On va aller dans la salle de bain, dans la porte tout au fond. Tout de suite, on va écrire sur le miroir. On va écrire Ashina. On interagit avec le miroir avec le point d'exclamation. A, S, H, N. Et on appuie sur croix pour lancer le dialogue avec le fantôme, les esprits. Ah, tu m'as appelé, on dirait que ma mère avait tort, tu es intelligente, nanana, nanana.
Donc maintenant que nous avons fait ça, on va interagir avec la porte qui est au sol dans la salle de bain. On prend le tournevis pour l'ouvrir. On descend au sous-sol. On récupère la pelle qui est dans le coin. On monte. Voilà, donc j'ai la pelle. Je vous montre pelle. Parfait. Maintenant, on prend les escaliers. On retourne à l'extérieur près des carottes de cultivation. On passe les dialogues aussi avec la vieille dame. On va aller à l'extérieur. On interagit avec le champ de carottes. Ici, triangle, la pelle. On va récupérer le couteau que le cuistot lui a donné. Hein. Donc j'ai bien le couteau, triangle, couteau. Hein. On va aller tuer la dame aux nouilles. Donc on se met près d'elle ici, on appuie sur triangle, on prend le couteau, on le sélectionne, on appuie sur croix et puis on fait passer les textes et elle est décédée. On va aller maintenant dans la chambre de sa sœur qui est à droite, on appuie sur triangle, on prend l'épingle à cheveux, on interagit avec la porte pour que sa sœur puisse déverrouiller cette porte et discuter avec elle. Donc maintenant il y aura deux esprits, l'esprit rouge et l'esprit bleu qui va apparaître pour cette fin. On l'a fait tout à l'heure il y a quelques secondes. Hein. Qu'on retente encore une fois cette aventure, sauf que cette fois-ci, elle va fumer à droite et non à gauche. Voilà, donc on quitte l'hôpital. Elle va aller à l'extérieur pour aller fumer. Hop, mais cette fois-ci, on fume à droite, ici, près du cendrier jaune. On interagit avec le point d'exclamation et on prend sa cigarette dans l'inventaire. Et voilà, donc là, normalement, le trophée, uniquement les yeux peuvent dire la vérité, va se débloquer à la fin du scénario. Dès qu'il y aura la cinématique. Donc maintenant, on rentre dans l'hôpital. Et c'est glauque. Une autre fin, encore une fois. Plus macabre. Je préférais l'autre. Donc on va aller dans la chambre de sa sœur. Et voilà, donc le platine devrait tomber tout de suite, je n'ai rien loupé. Ah, c'est magnifique, c'est parfait. J'espère vous avoir guidé du mieux possible, de ne pas avoir été trop vite, de vous avoir informé tout ce qui était nécessaire pour vous amener à ce platine rapidement. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire ce guide, cette histoire, ce genre de jeu, je me ferai beaucoup à l'avenir si j'en trouve. Voilà, donc si vous avez des questions, si je fais des erreurs ou qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas, dites-le moi. J'accepte toute remarque, toute critique. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous pour votre soutien. Portez-vous bien. Salutations, les marathoniennes et les marathoniens du speedrun. Salut!